Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau ici, mon nom est Aurée et bienvenue aux vidéos. Donc cette semaine, enfin, je vous accueille dans mon nouveau studio. Fait que je suis super excitée de vous présenter ça. Ça fait vraiment longtemps que je travaille sur ça. J'avais quelques idées en tête et puis ça a donné ça. C'est pas encore fini, mais j'aime vraiment le look. Je trouve que ça fait vraiment classique et un petit peu plus professionnel que juste mes backdrops de couleurs que j'avais avant. Donc laissez-moi savoir dans les commentaires si vous aimez mon nouveau background ou si vous en foutez complètement. Ça se peut, peut-être bien que tu t'en fous. Whatever. Je vous accueille aussi avec ma nouvelle coupe de cheveux, fait que je file vraiment mon weave ces temps-ci, là. Je pense que vous allez pouvoir voir, là, mais je trouve que ça fait un petit peu plus mature, puis en tout cas, ça faisait longtemps que je voulais retourner au blond, fait que c'est finalement fait. Fait que je pense que je vais y retourner cette semaine parce que je veux les couper un petit peu plus court, genre. Mettons, là, si elle m'enlève comme un bon pouce, là, ça ferait mon affaire. J'ai comme vraiment envie de les avoir super courts puis au menton. Je trouve que ça ferait un beau changement. Je vais sûrement y retourner cette semaine pour chopper ça un petit peu plus. Comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et si vous êtes intéressé de savoir comment j'ai obtenu ce look-là, eh bien, continuez à regarder mon vidéo. Bon, fait que aujourd'hui, je pense que je vais commencer la vidéo avec les yeux. Parce que quand je fais des gros smokey eyes vraiment lourds comme ça, j'ai tendance à avoir du fallout un petit peu partout. Puis ça vient vraiment scraper mon teint après ça. Fait que pour éviter tout ça, je vais commencer tout de suite avec les yeux. Fait que je vais vous zoomer tout de suite. Fait que j'ai déjà mis une base sur ma paupière. Je suis venue aussi set ma paupière avec une poudre libre. Fait que pour faire le look d'aujourd'hui, je vais utiliser ma palette James Charles en collaboration avec Morphe. Fait que c'est comme ma énorme palette. Et puis je vais commencer avec la couleur bleue juste ici. Fait que c'est comme un petit bleu turquoise quand même assez pâle. Fait que je vais utiliser ça comme couleur de transition pour commencer. Et je vais placer ça avec un pinceau Morphe M433. Que je vais venir placer ça vraiment en suivant la forme de ma paupière, en focusant comme d'habitude sur le coin externe. Puis je vais rapporter ça dans le coin interne. Quand il va assez gros, là, c'est vraiment juste pour placer la couleur sur la paupière pour commencer. On va venir estomper ça à la suite avec une couleur un petit peu plus foncée. Que je vais faire la même chose de l'autre côté en focusant sur le coin externe, en suivant comme la forme de mon œil et je vais rapporter ça au coin interne. Maintenant, je vais prendre un autre pinceau de Morphe M433. Je vais placer juste à peine de poudre dessus et puis je vais venir estomper le bleu qu'on vient juste de placer. Je vais étirer ça un petit peu plus haut sur ma paupière et puis je vais étirer ça au coin externe aussi. Depuis un bout, j'aime comme vraiment étirer mes smoky. Ça vient vraiment comme complètement changer la forme de l'œil. Maintenant, je retourne avec le premier pinceau qu'on a utilisé au début et je vais venir utiliser la couleur bleue marine. Fait que c'est le bleu un petit peu plus foncé dans le bas de la palette ici. Et je vais focusser ça vraiment dans le coin externe. Mais je vais le monter un petit peu sur ma paupière ici. Puis je vais le rapporter dans le coin interne vraiment doucement. Je mets comme à peine de pression sur mon pinceau. Là, j'y vais vraiment doucement. Je retourne avec mon deuxième pinceau et je vais venir estomper les couleurs ensemble. Puis je vais venir étirer ça encore une fois au coin externe. Puis, je vous dis tout de suite, ça prend vraiment de la patience. Puis, ça prend vraiment du temps pour faire ce look-là parce que c'est vraiment beaucoup de va-et-vient avec les deux pinceaux, avec deux couleurs. Puis, il faut vraiment bien estomper les lignes. Fait que c'est vraiment un look quand même assez long. Donc, une fois qu'on a terminé puis qu'on a la bonne forme qu'on veut pour les yeux, on peut procéder à la prochaine étape. Fait que pour venir faire un petit peu de nacré puis de brillance sur ma paupière mobile, je vais utiliser ma petite ombre à paupière de Wet n Wild. Ça, c'est dans la couleur Moonchild. Fait que c'est vraiment un bleu vraiment foncé puis super nacré. Fait que c'est des ombres à paupière, les petites ombres à paupière vendues à l'unité. Fait que je trouve que ça, c'est super pratique. Avec un pinceau plus, ça, c'est mon pinceau de Alamar. Je vais venir utiliser un petit peu de poudre et je vais mouiller mon pinceau avec mon setting spray. Ça, c'est de Smashbox.
Fait que la couleur, elle va juste être 1000 fois plus vibrante et nacrée quand on mouille le pinceau. Fait que je vais venir placer ça uniquement sur ma paupière mobile. Puis je peux tout de suite voir la différence quand le pinceau est mouillé. On dirait que la brillance, ça colle 1000 fois plus sur la peau quand le pinceau est mouillé. Fait que je place ça partout sur ma paupière et je vais venir étirer ça dans le coin externe. Je retourne avec mon pinceau Morphe et la couleur le bleu mat le plus foncé qu'on a utilisé. Et je vais juste estomper les deux couleurs ensemble. Je vais prendre mon traceur pailleté de Urban Decay, ça c'est dans la couleur Midnight Cowboy. Fait que c'est le heavy metal, je trouve que c'est super pratique pour ajouter du glitter à n'importe quel look, c'est super facile. Puis c'est vraiment rapide, fait que je vais utiliser ça partout où ce qu'on a utilisé la petite poudre de Wet n Wild, parce que honnêtement je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus brillant. Fait que je vais placer ça partout pour rajouter un petit peu plus de glam. Donc les yeux sont maintenant terminés et puis je regrette vraiment pas mon choix d'avoir commencé par les yeux pour faire ce look là parce que j'ai du fallout absolument partout sur ma peau. Fait que je vais utiliser une petite lingette et puis je vais juste enlever le surplus de poudre que j'ai littéralement partout au visage. Pour le mascara, je vais utiliser mon super fan de Smashbox. Fait que c'est comme un petit échantillon de mascara que j'ai reçu en cadeau, je pense, chez Sephora ou Pharmaprix, de quoi du genre, mais c'est vraiment juste un petit testeur, puis je capote vraiment sur la formule. Fait que je vais vraiment passer mon petit échantillon au complet avant d'aller m'en acheter un autre. Pour les faux cils, je vais venir utiliser mes Lily Lashes en collaboration avec Sephora. Ça, c'est dans le style Mykonos. C'est mes cils préférés présentement. Fait que je vais m'installer ça et je vous reviens tout de suite. Donc, les cils sont finalement installés. Fait qu'on a terminé avec les yeux pour tout de suite. Fait que je vais vous dézoomer et on va pouvoir commencer avec le teint. Je vais utiliser mon primer de Hello Fab. Ça, c'est le primer à la noix de coco. Je trouve qu'il rend ma peau super mate et puis le fond de teint vient vraiment bien coller sur ça. Puis je trouve que l'application va mieux, il y a moins de streak parce que moi j'applique ça au pinceau, fait que tout va mieux quand j'utilise ce primer là. Et évidemment mon fond de teint il dure plus longtemps quand que je travaille et puis quand j'ai des grosses journées, quand que je suis maquillée plus que 10 heures mettons là, ça arrive des journées que je suis maquillée comme 12 heures de temps. Que comme fond de teint aujourd'hui je vais utiliser encore mon Beauty Blender, ça c'est mon fond de teint Bounce dans la couleur 1.60. Et je vais appliquer ça avec mon pinceau Luxy 532. Comme d'habitude, quand que j'aime un produit, j'ai tendance à garder cette formule-là vraiment longtemps. Fait que ça fait un petit bout que j'utilise le fond de teint Bounce. Je vais sûrement l'utiliser jusqu'à temps que je finisse la bouteille. Et puis après ça, je vais changer pour en essayer un nouveau. Pour le cache-cerne, je vais utiliser mon correcteur de e.l.f. Ça, c'est dans la couleur Fair. Je capote vraiment sur la formule de ce produit-là. Il est comme vraiment abordable. Il est toujours in stock. Genre, vous pouvez toujours vous procurer ça chez Walmart ou en pharmacie. Fait que c'est vraiment facile de se procurer cette marque-là. Puis honnêtement, je trouve que la qualité du produit est vraiment là pour le prix. Fait que c'est des très bons produits de pharmacie. J'aime vraiment beaucoup cette couleur-là pour mon grain de peau aussi. Puis c'est vraiment une formule super couvrante. Fait que si vous avez des cernes un petit peu plus prononcées, un petit peu plus foncées, c'est vraiment un produit idéal pour la couvrance et pour cacher ça. Fait que je vais venir étendre le produit avec une petite éponge humide de QO. Pour le contour, je vais utiliser mon kit de contour crème de Anastasia Beverly Hills. Fait que ça fait vraiment un petit bout que j'ai pas utilisé cette palette-là. Je vais venir utiliser la teinte du milieu. Je trouve que c'est la teinte la plus pâle du kit. Fait que ça va super bien avec ma carnation. Donc je vais venir placer ça avec mon pinceau de concealer de Huda Beauty. Fait que comme d'habitude, je vais venir placer ça partout où ce que je veux créer des ombrages sur le visage. Donc juste en dessous des pommettes,
au niveau du front parce que j'ai vraiment un énorme front que je veux camoufler. Je vais en mettre en dessous de mon autre pommette. Juste en dessous de ma lèvre du bas. Et je vais en placer vraiment léger pour faire du nose contour. Je vais venir étaler ça avec mon pinceau préféré de Real Techniques. Honnêtement, j'aime vraiment mes cheveux quand ils sont blonds, mais il faut toujours que je les protège quand que je fais mon maquillage parce que n'importe quelle couleur foncée va comme tacher mes cheveux. Puis là, je deviens avec les cheveux comme orange et brun, puis c'est comme vraiment bizarre. Pour estomper ma lèvre et mon nez, je vais utiliser mon mini pinceau de Morphe. Ça, c'est le G13, qui est un embout vraiment pratique et parfait pour les endroits qui sont un petit peu plus difficiles à contourer, comme dans le coin de l'œil et du nez. Là, c'est, des fois, c'est vraiment plus compliqué avec un gros pinceau. Fait que celui-là, qui est vraiment parfait. Maintenant, pour venir fixer tous les produits liquides en place et venir barrer ça pour être sûr qu'il n'y a rien qui bouge au travers de la journée, on va venir placer des produits poudreux par-dessus ça. Donc, pour le correcteur, je vais utiliser mon setting powder de Kylie Cosmetics. Ça, c'est dans la couleur You're Perfect. Fait que c'est vraiment une poudre perfectrice, la même couleur que ma peau. Fait qu'on va être sûr de ne pas avoir trop de flashback ou d'avoir trop de résidus blancs. Des fois, quand j'utilise une poudre trop blanche, j'ai vraiment comme trop de résidus, puis quand que je viens prendre des photos, ça fait full flashback, puis on peut vraiment voir que j'ai les dessous des yeux blancs. Fait que avec un pinceau Morphe M581, je vais venir placer cette poudre là partout où ce qu'on a mis du correcteur. Pour le bronzer, j'avais planifié d'utiliser mon Butter Bronzer de Physicians Formula parce que c'est un produit tellement sacoche, il sent super bon, puis je trouve que la couleur, elle va super bien avec mon grain de peau. Mais malheureusement, il me reste comme vraiment plus de produit vu que c'est vraiment un de mes bronzers préférés. Fait que j'utiliserai pas ce bronzer-là aujourd'hui, je vais attendre de m'en procurer un nouveau. Fait que je vais utiliser ma poudre bronzante de Marc Jacobs Beauty, ça c'est dans la couleur Tantastic, donc ça aussi c'est comme mon deuxième bronzer préféré. Vous pouvez voir celui-là aussi, j'ai hit pen puis je suis comme en train de passer au travers. Fait que je vais utiliser ça avec mon pinceau Morphe B5 et je vais venir réchauffer le visage avec ce produit-là. Je prends une petite éponge propre, encore une fois, du Dollarama. Je capote vraiment sur ces éponges-là. Elles sont super pratiques, elles sont tellement pas chères. Ça fit absolument partout. Vous pouvez traîner ça dans votre sac partout. Puis c'est juste tellement pratique pour venir faire un petit peu de ménage puis venir ramasser le contour. Fait que je vais placer ça dans ma poudre de Kylie encore. Et je vais juste couper mon contour. Je vais laisser ça bake pour quelques minutes et puis je vais venir terminer les yeux. Donc je vais reprendre ma palette de James Charles et je vais prendre mon petit pinceau licorne ici. Fait que c'est vraiment un petit pinceau crayon qu'on appelle avec un mini embout. Fait que c'est des pinceaux que j'ai achetés sur Amazon. Je pense que c'est comme 10$ pour un paquet de... Je pense qu'il y avait comme une dizaine de pinceaux. Fait que c'est vraiment pas pire. Je trouve que c'est super abordable. Puis en plus, ils sont vraiment cute. C'est des pinceaux licorne. Tout le monde aime les licornes. Wink wink. Donc je retourne dans les premières couleurs qu'on a utilisées, fait que le petit bleu turquoise ici, et je vais venir placer ça en dessous de mon œil. Et avec le même pinceau, je vais venir utiliser le bleu marine, fait que la couleur la plus foncée qu'on a utilisée sur nos yeux, et je vais placer ça par-dessus. Puis je vais comme blend les deux couleurs ensemble pour venir fumer ma ligne de sourcil du bas.
Ensuite, mon bout préféré, c'est les cils du bas. Fait qu'il y a rien pour, il y a rien qui termine un look méga glam comme ça que des foules de gros cils du bas. J'aime vraiment ça quand ils sont full fournis, ils sont vraiment noirs et épais. Fait que je retourne dans mon mascara de Smashbox Superfan et puis je vais venir mettre deux ou même des fois trois couches sur mes cils du bas parce que j'aime vraiment ça quand ils sont full fournis et gros. Je trouve que ça vient vraiment bien terminer le look puis ça fait vraiment genre... C'est full dramatique puis en tout cas, j'aime vraiment ce look-là. Je vais rentrer avec mon mascara de Smashbox. Fait que ça, c'est la première couche de mascara. On y va pour la deuxième. Ouh, je capote bien raide. Now, les yeux sont terminés. Fait que je retourne avec mon pinceau de Morphe et je vais juste enlever l'excédent de poudre qu'on avait fait le contour. Pour le blush, je vais venir utiliser mon Fairy Flush de Tarte. C'est mon blush préféré présentement. Il est comme vraiment rosé, mais en même temps, il fait super naturel. J'applique ça avec mon pinceau Loxy 522. Puis c'est vraiment important de faire une face de blush. Sinon, c'est comme vraiment dur de mettre du blush si tu fais pas une face de blush. Ça prend vraiment un petit sourire pincé. Comme d'habitude, je vais venir utiliser mon pinceau à eyeliner de Tarte et aussi mon Everlasting Liquid Lipstick de Kat Von D. Ça, c'est dans la couleur Bow and Arrow. Et je vais venir dessiner mes grains de beauté. Je vais sauter le highlight en attendant que mes grains de beauté y sèchent parce que des fois, ça va juste vraiment tout foirer partout parce que je vais passer avec le highlight par-dessus. Fait qu'on va sauter aux lèvres tout de suite. Donc, je vais venir... avec un rouge à lèvres nude, vu que les yeux sont comme vraiment full glam et dramatique. Donc, comme d'habitude, j'utilise mon crayon contour de Kylie Cosmetics. Ça, c'est dans la couleur Kiss Miss. Et comme rouge à lèvres, je vais venir utiliser mon NYX Cosmetics. Ça, c'est dans l'édition lingerie et c'est dans la couleur ruban de satin. On est rendu à l'illuminateur. Fait que pour ça, je vais venir utiliser la palette Highlight de Lime Crime. Ça, c'est l'édition Mermaids. Et comme d'habitude, j'utilise toujours la couleur du centre, qui est comme vraiment aveuglant sur la peau. Là, dans le pan, on dirait vraiment qu'il est jaune. Mais sur la peau, c'est vraiment blanc, puis c'est super aveuglant. Puis en tout cas, il est comme vraiment brillant. Donc, j'utilise ça sur un autre de mes pinceaux, l'icône de Amazon. Et je vais venir placer ça sur le haut de mes pommettes. Je vais monter ça un petit peu au-dessous du sourcil. Même chose de l'autre côté. Je vais venir en mettre dans mon coin interne de l'œil. Je vais en placer en dessous du sourcil comme zone lumière. Et au bout du nez, et je vais terminer avec ma bruine fixatrice de maquillage de Smashbox. Ça, c'est l'édition photo finish aux agrumes. Fait que c'est une édition limitée. Donc, voici le look final, guys. J'espère vraiment que vous avez aimé ça. J'ai trippé filmer ça avec vous. C'est vraiment des looks que je fais beaucoup dernièrement. Fait que je capote vraiment sur les looks full glam et puis les smoky comme ça. C'est sûr que sur ma chaîne, je vais vous en faire une couple de looks dans ce genre-là, mais avec des couleurs différentes. C'est vraiment des looks super glam, vraiment dramatiques. C'est facile à faire, ça prend juste de la patience et du temps. Comme d'habitude, je vais vous linker tous les produits que j'ai utilisés dans la barre de description. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit dans mon prochain vidéo, guys. Bye!